S'adresse à tous les Tchadiens et toutes les Tchadiennes, du Tchad et du monde, à toutes les ethnies, tous les partis, tous les combattants et tous les civils. Peu importe votre religion, votre classe sociale ou votre culture, ce message s'adresse à tous ceux qui portent le Tchad dans leur cœur, de près ou de loin. Je veux m'adresser à chacun d'entre vous, car chacun d'entre vous, vous êtes le Tchad. Je suis Oumar Ahmad Bachir, et si vous m'entendez aujourd'hui, c'est parce qu'il est venu l'heure de la vérité et l'heure du changement. Pour commencer, le RDC a été créé le 18 janvier 2021 par moi-même et par Abdrahmane Moussa, l'actuel chef d'état-major général des armées. Si jusqu'à présent, vous ne m'avez ni vu ni entendu, c'est parce que je n'ai pas voulu me mettre en avant. Je ne cherche ni le pouvoir, ni la gloire. Seuls les résultats menant à la paix et la démocratie m'intéressent. Mais pour stopper certains individus profiteurs et usurpateurs s'affichent sur les réseaux sociaux afin de revendiquer les leaders du parti et parle au nom de notre mouvement. Il est important de rétablir la vérité. Nos combattants sur le terrain, qui laissent leur famille, qui se battent chaque jour, donnant toute leur force et leur énergie, et même leur vie, au nom de la liberté et de la démocratie, méritent d'être soutenus, guidés et représentés avec honnêteté et humilité. Les menteurs et les manipulateurs ne sont pas dignes de nos combattants et sont un fléau pour le Tchad que nous voulons pour demain. Le mensonge, la trahison, la manipulation et la corruption ont toujours servi les régimes totalitaires, les dictatures et les monarchies. Mais l'honnêteté, l'humilité et l'intégrité créent les vraies démocraties. Au nom de la liberté, je remercie sincèrement tous les combattants qui se battent sans relâche, avec courage, force et détermination, et tous qui ont donné leur vie pour sauver la nation. Je remercie également M. Abdrahmane Moussa Semga pour son implication et son efficacité en tant que chef sur le terrain. Les avancements au niveau local, national et même international montrent que l'union et la coordination donnent des résultats très encourageants. Les systèmes précédents et actuels ont toujours divisé pour mieux régner. Mais l'union fait la force, alors continuons de nous battre avec conviction pour la démocratie. La liberté du peuple tchadien n'est plus négociable. Le RDC n'appartient pas à une ou deux personnes. Il appartient aux combattants de la liberté qui sont aujourd'hui sur le terrain. Et il appartient à tous les Tchadiens qui veulent rejoindre nos rangs. Il est temps de changer la division en union. Il est temps de changer les faiblesses en force. Il est temps de changer les peurs en espoir. Il est temps de changer les mentalités et l'histoire. Il est venu ce temps du vrai rassemblement et du vrai changement pour que la démocratie ne soit plus une rêve lointaine, mais bien notre destin. Et parce que le Tchad est un grand pays, je terminerai avec les propos d'un grand monsieur. Soyez le changement que vous voulez être demain. إن حركة التجمع من أجل الديمقراطية والتغيير RDC أسست هذه الحركة السياسية العسكرية في 18 يناير 2021، وقد قمنا بتأسيس هذه الحركة من أجل تحرير الوطن
وتغيير النظام الفاسد الذي يحكم تشادنا الحبيبة منذ أكثر من 30 عاما. فهذا النظام لديه أجندة وبرنامج وموضوع ومعروف للجميع، ألا وهو التوريث، ونحن نقول لا للتوريث. ولذلك فإن هذه السلطة لابد أن تزول فورا، وبإرادتنا ووحدتنا ستسقط هذه السلطة عاجلا أم آجلا. ومن هذا الميدان ندعو إخواننا في الوطن والمناضلين والأبطال وأصحاب الضمائر الحية في الداخل والخارج للالتفات حول هذا المشروع والانضمام إلى صفوف أخوانكم الثوار. وسأختم كلماتي بمقولة الزعيم نيلسون مانديلا: العبيد فقط يطلبون الحرية، أما الأحرار يصنعونها. مورال. Oh!